Et salut à tous, c'est Très Cool et on se retrouve pour les quarts de finale sur FUT Draft. Allons-y! Et on se retrouve toujours avec la même draft, toujours les mêmes artistes, donc vraiment toujours ces joueurs qui sont, je pense, pas fameux. Je pense que j'ai pas eu beaucoup de réussite. Il y a, sur toutes les drafts que j'ai vues, la plupart sur des youtubeurs, etc. Ils avaient quand même des Ronaldo et tout. Moi j'ai Harry Kane et Torres en attaque. Donc deux changements, oui. Notre ami Carvajal, que j'ai mis latéral droit à la place de Juanfran. Je sais pas si ça va changer grand chose. Et j'ai viré Ménez, j'ai mis Harry Kane pour faire le centre collectif. Rebirth que donne Harry Kane. J'ai vraiment une attaque pas très belle avec Torres et Harry Kane. Ce sont des bons joueurs, bien sûr. Enfin bon, pour une draft, on aurait pu s'attendre à mieux. Donc bon, voilà. Il n'y a pas de forme là-dedans. Donc en gros, il n'y a pas besoin de faire de remplacement. Donc en gros, tous les remplaçants, bah, ils vont me servir à rien. Je les ferai pas rentrer vu que sinon ils me feront baisser le collectif. Même s'il y a de bons joueurs. Donc c'est parti pour le match. Ça y en a trouvé un adversaire. J'ai toujours ces vieux maillots dégueulasses que j'ai pas changé. Alors qu'est-ce qu'il a de beau? Il a un boost en DC. Il est tout noir, hein, vraiment. C'est peut-être Bartra, je sais pas. Bon, il a pas une équipe incroyable. Ross, je sais même plus qui c'est en attaque. C'est Rossi, je crois. Pjanic au milieu. Bon, il y a rien d'incroyable de cette équipe. En tout cas, c'est parti pour ce match. Eh ben non, pas du tout, puisqu'il fait pause. Allez, bon, c'est parti avec Pjanic, Rossi. Parolo, qui fait une passe magistrale sur Reus. Et la récupération de Beignat. Beignat, le héros du dernier match. Que j'avais bien pourri dans le match, et pourtant c'est grâce à lui qu'on a gagné. Beignat, pour Francesc Fabregas, peut-être qu'il va remettre sur Beignat. Beignat, allez. Ah, la tentative une sorte d'une 2, c'est pas passé, c'était pas loin. Harry Kane, allez Harry Kane, si tu pouvais me faire un truc intéressant. Allez, ah c'est très, oui voilà, c'est exactement ce que je voulais. Passe lobée. Et ça passe bien sûr, voilà. Heureusement qu'il fait n'importe quoi. Ouais, il y a quelques passes lobées qui arrivent à destination, c'est un petit peu dégueulasse, mais enfin bon. Enfin, ils ont un peu de réussite, mais bon, rien à voir avec la dernière pour l'instant. Donc ça va. Baba, qui va trouver Harry Kane, qui est repris. Harry Kane, il a l'air bon. Putain, il a l'air bon. Hein. Ça a l'air d'être sympa de jouer avec Harry Kane, hein. Purée. C'est bien joué. Vers Danilo. Ah oui, c'est Danilo, ouais, j'avais perdu son nom. Oh putain, oh putain, oh là là. Oh putain, c'est bien joué. Oh là là, Fonte qui revient, un retour superbe de Fonte. C'était super bien joué ce qu'il avait fait là. Il n'y avait vraiment rien à dire, hein, à part que j'ai fait n'importe quoi avec le latéral. Harry Kane. Oh, je joue très très mal, c'est excellent. Mais il est hors jeu, Harry Kane. Putain, Harry Kane, il est beau, je foot Ménez. Hein. Oh là là. Harry Kane, c'est un beau début pour l'instant. Hein. C'est les 20 premières minutes de l'histoire là pour Harry Kane. On est quand même un peu dominé dans ce début de match là. Ah, récupération d'Harry Kane, il y a un contre à jouer là, il y a un très très beau contre à jouer. Isco est repris. Beignat aussi. C'est mal négocié. Il y a Torres qui part sur le côté. Oh là là, attention, Fernando Torres. Allez, on remet sur Beignat. Francesc, Fabregas. Allez, on va trouver Isco. On va trouver Isco. Il passe Isco, je sais pas comment. On va tenter la frappe d'Isco. Elle est contrée. Elle est contrée, 25e minute de jeu. Première légère opportunité pour nous. Heureusement, ça fait pas de mal. On va tenter ce corner avec Beignat. Je suis très mauvais. Faut vraiment que j'essaie de travailler les corners. Ah, Fonte qui la prend la tête quand même. Bon, ça passe très loin. Carvajal, Beignat, Carvajal. C'est bien joué. Allez. Ça, c'est bon. Non, c'est très mal joué. Oh là là, sans déconner. Putain, mais c'est. Oh là là, Casillas. Heureusement que c'était sur lui. Non, mais là, il y a eu un très très. C'était très mal joué de la part de Carvajal et Beignat, là. Enfin, Carvajal surtout. Bah prenez-le, hésitez pas à le prendre, hein. Je vous en voudrais pas. Oh là là, on n'arrive même pas à passer le milieu de terrain, sérieusement, putain! Attention à Reus là, passe lobé. Va falloir arrêter de se foutre de ma gueule avec leur passe lobé à la con là, mais sans déconner, putain, il y a hors-jeu là. Putain, mais n'importe quoi là, là c'est délire, le mec il fait des passes lobées et ça passe, on sait pas comment. Allez, Torres de la tête pour Isco. Putain, c'est bien défendu! Oh putain, il jette pas du tout! Voilà, là, je sens qu'on va y prendre, hein, franchement. Allez, ça attaque, Fonte! Il y a absolument rien! Mais alors, il y a rien du tout, là! Espérant qu'il c'est pas un grand tireur de coup de pied arrêté. Il a pas du tout tiré.
Costa, putain, il peut enrouler avec Costa, voilà. Oh putain, ça passe à côté. Costa du gauche, ça doit pas être mal, ma foi. C'est vraiment laborieux. Fabregas pour Baba. Mais sérieusement, les gars, vous êtes dégueulasses, sans déconner. Putain, ça arrive même pas à faire une passe, là. On est dans notre camp, sérieusement. C'est fou, ça, non, mais attendez. Je joue pas contre le champion du monde de FIFA non plus, hein, faut pas déconner. Hein. Allez, c'est parti, Isco Farando va peut-être se réveiller un peu là parce que. Allez, il est hors jeu, putain. Winchy est là-dedans, c'est pas. Bon, c'est à mi-temps. Bon, bah c'est dégueulasse, hein, qu'est-ce qu'on peut dire. Ouais, il a dominé. Bon, après, il reste assez serré, hein. J'ai un peu la possession, mais que dalle, sinon que dalle. Allez, Harry Kane, deuxième période, c'est parti. On va essayer de faire un peu mieux là parce que là, bon, c'était quand même très très dégueulasse. Hein. Baba, il est pas mauvais ce latéral, je pense. Ah, bien joué, Fabregas, putain, il est fort, Fabregas quand même. Il est même à la récupération. Allez, Fernando pour Harry Kane, la frappe d'Harry Kane. Oh putain, elle est pas mal. Bon, Harry Kane, ce qu'il y a de bien, c'est qu'en termes de frappe, il est présent. Direct, il a une frappe, il n'est pas forcément placé, mais c'est assez précis, ça part bien. On va compter là-dessus, hein, parce qu'après, sinon dans le jeu, ça va être un peu compliqué. Bon, une passe sur Russ, là, attention, Carvajal. On va essayer de la voir, ça serait intéressant. Bien joué, Carvajal. C'est pas plus simple à négocier, Russ. Il va encore la jouer à deux. Giovinco, il est sacrément bon. Il tourne avec Toronto, c'est impressionnant. Et par contre, Beniat, c'est le patron. Oh, Beniat, c'est devenu le grand patron. Ah putain, il était parti là-bas. A donné là-bas. Mais c'est très mal joué, sans déconner. Qu'est-ce qu'on joue mal? Il est pas hors-jeu, lui. Bien joué, bon retour sur Pjanic. Là, il y avait une ouverture, sans déconner. Il y en a encore une, là. Avec Torres. Torres, il est pas mal en profondeur. Non, non, il défend bien. On va obtenir la touche, mais il défend bien. PP pour Beniat, c'est très très mal relancé. Oh là, c'est vrai que lui aussi, il joue pas très bien le coup. Francesco Fabregas. Oh, putain, c'est mal joué, mais qu'est-ce que je joue mal aujourd'hui? C'est génial. Putain, toi tu vas prendre deux pieds là, voilà. Est-ce qu'on va construire une action là, sérieusement? Bon non. Fernando. C'est très mauvais comme match, le dégueulasse à regarder. Hein. Putain. Harry Kane, allez Harry Kane, il va peut-être passer. Attends, attends, oh là, oh là, oh là. Oh. Mais il y a 27 joueurs sur lui, les gars. Pff. Oh, le tac qui passe pas, dommage. Oh, il a Benzema, comme il avait pas Benzema tout à l'heure. Ah, c'est pour ça, d'accord, il a fait rentrer. Ah, d'accord, parce qu'il doit y avoir des coefficients pour tomber face à des adversaires, quoi, d'accord. C'est magouille et compagnie, quoi, le jeu, de toute façon. D'accord, je comprends pourquoi je tombe pas contre des joueurs qui ont des jeux, qui ont drafté des mecs de fou, parce qu'en fait, il doit y avoir des coefficients. C'est pour ça que les mecs font rentrer leurs meilleurs joueurs après. C'est génial, c'est, enfin, moi je m'en fous, tu sais, vous pouvez bien faire tomber contre qui vous voulez, ça va pas me déranger. C'est bien joué, il y a une phase de contre à jouer, avec Torres sur le côté, non c'est Harry Kane. Allez Isco, redonne là, il y a rien qui passe, c'est complètement fou. Oh, la récupération d'Isco, allez c'est maintenant Isco, la frappe d'Isco, putain c'est... Le mec il t'intercepte ça comme si c'était je sais même pas. Allez Beniat, fous-moi une chier, il va. Allez! Putain, bien joué. Bon, ça va venir de Beniat de toute façon. S'il y a un but, ce sera Beniat, hein, parce qu'il y a que lui qui me sauve la maison à chaque fois. Bah voilà, c'est génial, c'est la mi-temps. Enfin c'est la mi-temps, c'est la fin du match, mais. Voilà, bon on est bien revenu, mais toujours 0-0, ça va être les prolongations. En tout cas, c'est reparti. Harry Kane pour Torres, allez. Je pourrais faire des changements, moi. Je suis con, j'aurais peut-être pu faire des changements. J'ai même pas pensé. Allez, on va faire des changements, tiens. On va faire entrer Roberto Firmino à la place d'Isco. Oh putain, j'aurais dû mettre Menez et tout. Bon, bah, j'ai que ça. Hein. Puis Juan Fran à la place de Carvajal. Hein. Ça fera rentrer un joueur frais, mais sinon. Ah merde, j'ai pas d'attaquant. J'ai fait le con, j'aurais dû mettre Menez. Eh, hey, Fante, bien joué. Quel patron. Harry Kane. Oh, il y a un superbe lag là de belle qualité. Hein. Ça va quand même mieux. Fernando Torres, qui va la donner. En sortie de but. Sacré Fernando. Il se bat. Il se met le public se met à gueuler d'un coup. Là. Allez, bien joué, c'est ça. Allez, allez les gars, on va de l'avant un peu là. Voilà, bah, Firmino, ça commence bien. Putain, il commence bien, Firmino. Et il passe lobé. Putain, ça y va encore ces conneries, mais c'est pas possible là. Et Fonte qui m'en connaît. De toute façon, il y a eu un patch là, et depuis le patch, c'est vrai qu'il y a, bon, je trouve, il y a des trucs que je trouve un peu bizarres. Hein. Bon, ça restera à démontrer, mais j'ai regardé sur les forums et tout.
Comme quoi, le gameplay avait un peu changé. C'est vrai que j'ai un peu remarqué ça. Bon, ça reste encore correct. Mais bon, espérons qu'ils nous chient pas le jeu. Hein. Parce qu'ils savent le faire, hein, ça chez EA. Ils sortent un bon jeu, puis après ils t'enculent. Bon, je pense qu'il y a quand même des limites. Pour l'instant, ça reste correct. Hein. Mais bon, qu'il n'y ait pas de retour de passe lobé, etc. Hein, parce que là, ça va insulter. Hein. Bon, bah là, première mi-temps, ça va passer encore. Putain, quel match! Il y a 8 tiers dans le match là, en 105 minutes, là, ça finit en tir au but. Ça. Fernando Torres qui va ouvrir sur Baba. Baba, allez, est-ce qu'on peut organiser quelque chose là? Il défend bien, c'est vraiment un match très très serré. 112ème, 0-0 toujours. Hein. Ça, c'est vraiment. Ça, c'est un match de Ligue 1, ça, mais vraiment. Et Baba, allez! Baignade, baignade à l'épaule, baignade qui. C'est le cirque. Allez, tacle dedans là-dedans! Attention là. Oh putain. Oh là là, la passe en arrière, là, celle-là elle est mémorable. La passe pour Pépé, 117ème minute, il se passe rien, franchement, ça va faire tir au but, ça, qu'est-ce que je vous dis. C'est cadenassé, dis donc, c'est impressionnant. Hein. Vraiment fait un match pareil. Et Juan Fran qui va remettre sur Baba. Fonte, Baba. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Mais c'est cadenassé, mais c'est impressionnant. Bon, bah, non, mais là, y a rien à faire. Vraiment, un match hyper cadenassé, j'ai rarement vu un truc pareil. Bon, bah, tir au but, hein, mais écoute, ça va jouer là-dessus. Savoir si ça va passer. Allez, on va sauter à gauche. Putain, j'ai bien sauté, sérieusement, là. Il peut l'avoir. Juan Fran en tireur. La frappe de Juan Fran, il l'arrête. Bon, bah. Putain, j'avais bien tiré là pourtant. Allez, Firmino, allez, ça rentre. Je sais pas me tirer, franchement, je mets de la puissance, ça part même pas. Douglas Costa. Pense qu'on va rien, on va rien voir du tout. Alors, hein. Harry Kane, allez, tire où tu veux, je m'en branle, là, c'est bon, en plein milieu, c'est cool. Ross qui va tirer. Et putain, je te dis de sauter l'abruti qui sont les. Mais c'est sérieux? Est-ce que c'est sérieux? Non, mais là, c'est n'importe quoi! Mais on est dessus, on les arrête pas! Non, mais c'est quand même fou ça! Faut pas déconner, non? Voilà, mais lui dessus, c'est bon. Bon, c'est perdu qui a joué lui. Mais c'est un jeu de merde, c'est à chier sans déconner, putain! Mais c'est débile, mais c'est stupide, hein. Faut quand même pas me prendre pour un con. Hein. Voilà, t'as gagné, t'as raison, il a aucun jeu, il fait rien du tout. Ils ont l'air contents, les mecs, hein. Putain, regardez, c'est des plots, les mecs, oh, bah, c'est bon, on est passé. Premier draft vraiment très réussi, c'était génial, hein. Vraiment, j'ai pris un grand plaisir. Ce deuxième match, rarement vu un match aussi à chier, mais bon. Je vais mettre un pouce rouge à cette vidéo là-dessus, parce que là, c'est dégueulasse, hein. Quel match dégueulasse, putain, mais. C'est honteux de proposer ça d'ailleurs. Ça joue au penalty et le mec il gagne sur des penalties. Mais t'as l'impression que le mec il a tout misé là-dessus, il a tiré les penalties, il a dû s'entraîner tout le temps. Parce que là c'était tout le temps dedans, on ne sait pas pourquoi. Mais pourtant c'est pas faute d'avoir mis le gars dessus. Mais bon, ça veut pas les arrêter, très bien. Bon, on a perdu, récupérez votre prix, on gagne quoi du coup quand on a fait une victoire? Ouais, un pack premium, un pack joueur argent, un pack or. Bon, les packs, on se les ouvrira dans une prochaine vidéo, je crois. Parce que de toute façon, je vais pas avoir assez de. Déjà, c'est un miracle, la caméra soit encore en vie. Bref, je vais faire un pack opening, j'ouvrirai tout là-dessus. Dans la foulée, je vais faire un petit pack opening, il va pas y avoir grand-chose, mais bon, il va y avoir 3 packs à ouvrir. Enfin, bref. J'avais mis une légère vidéo pack opening pour la route, très court. Bon, merci d'avoir suivi cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker. Si ça vous a pas plu, n'hésitez pas à très largement insulter. Ça mérite d'insulter, franchement, n'hésitez pas à insulter, ce match était dégueulasse. Bon, en tout cas, j'espère que ça vous aura quand même plu. Grande pression dans ce match. Bon, allez, salut à tous.